Bonjour à toutes et à tous, ici Medvain, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des Hero Scaven. Alors, nous n'allons parler des Hero Scaven que dans le cadre de la campagne et uniquement de la campagne. La partie multijoueur viendra un autre jour. Les Hero Scaven sont parmi les plus nombreux du jeu, hein. C'est la race qui possède le plus de héros, donc la vidéo va être un tout petit peu plus longue que les vidéos consacrées aux héros sur d'autres races. J'espère que mes différentes analyses et mes différentes constatations vous intéresseront. Je vais essayer à chaque fois de dire dans quel contexte le héros est le plus utile. Je vais vous donner une itémisation. Je vais également décrire un petit peu les particularités qu'ils ont, que ce soit au niveau des caractéristiques ou des capacités spéciales qu'ils peuvent apporter à vos armées. Bref, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Vous connaissez ma passion pour ce jeu. Et bien, je vous retrouve tout de suite pour le premier héros. Nous allons faire cela dans l'ordre alphabétique. Le premier héros dont nous allons parler, c'est bien entendu de l'assassin Skaven. Alors, l'assassin Skaven, il est membre du clan Isshin. Il se recrute assez facilement au niveau 1 pour le clan Isshin. Au niveau 2 pour tous les autres clans, donc il est plutôt simple à obtenir et c'est probablement un des meilleurs héros Skaven que vous puissiez mettre sur la carte de campagne. En effet, il dispose de la capacité à répandre l'ordre public quand il est sur la carte, mais il peut aussi évidemment assassiner les héros, faire des assauts de garnison sur les colonies et attaquer les unités d'une armée ennemie. Autant dire que c'est un héros vraiment très puissant, surtout s'il est monté à haut niveau. Alors, si vous le mettez sur la carte de campagne, deux disciples sont absolument indispensables chez lui pour réussir ses assassinats. Il s'agit de l'apprenti Isshin qui va lui donner 8% de chances de succès supplémentaire pour l'action assassinée et le ralou de compagnie qui va avoir exactement le même effet. Ceci se combine avec la compétence assassinée que vous pouvez monter au troisième niveau et qui donne encore 15% de chances de succès supplémentaire. Donc, si on additionne toutes ces compétences, on a jusqu'à 31% de chances de succès pour faire un assassinat en plus. Mais cela se combine également avec la capacité spécialiste qui augmente les chances de succès de l'action du héros de 6%. Donc de 31, on passe à 37. Et enfin, cela se combine également avec la technologie Skaven qui s'appelle éliminer la compétition qui va donner encore 5% de chances supplémentaires d'assassiner. Donc vous vous rappelez, on était à 37, 37 et 5, ça fait 42. Voilà, donc 42% en plus de sûr si vous avez les deux disciples et la technologie. Et cela peut encore augmenter parce que si un assassin réussit plusieurs fois cet assassinat, il va obtenir un trait qui va lui donner encore 5% de chance supplémentaire. Donc de 42, il va passer à 47% de chance d'assassiner en plus. Autant dire que les assassins Skaven sont de véritables moissonneurs de personnages redoutables à haut niveau. Et je vous encourage vivement à en mettre un ou plusieurs sur la carte de campagne. Oui, comme par exemple, moi, dans cette campagne, j'en ai au moins 3 qui sont actifs ici. Dans les armées, l'assassin a le rôle de soigneur. Oui, je sais, c'est un petit peu paradoxal. L'assassin est celui qui permet d'augmenter l'action, reconstituer les troupes. Donc, vous en avez vraiment besoin en début de campagne. Quand les armées Skaven sont encore relativement faibles, qu'elles prennent beaucoup de dégâts dans le moindre engagement et que donc elles mettent beaucoup de temps à se reconstituer. Alors certes, les armées Skaven sont relativement peu chères à recruter, mais on préfère quand même conserver l'expérience de nos troupes. Hein. C'est toujours plus utile d'avoir une troupe de rang 9 que de devoir recruter une troupe nouvelle de rang 1. L'autre chose qu'il faut savoir avec l'assassin, c'est qu'il va être un des héros avec la meilleure attaque en mêlée du jeu. Alors là, c'est celui qui est dans l'armée de Snitch, donc il a 8 d'attaque en mêlée de plus que les assassins dans les autres factions. Mais vous voyez qu'il peut monter à 192 donc, dans les autres armées. Et là, je ne parle pas des bonus apportés par une arme. Hein, donc voilà. Tant avec des attaques qui seront empoisonnées, donc qui vont énormément ralentir, empêcher l'ennemi de s'enfuir en le rendant plus lent. Il va faire également moins de dégâts, enfin bon bref, c'est une attaque très très forte qui touchera très souvent avec un score aussi élevé. Il a plutôt de bons dégâts des armes, hein. C'est un héros qui peut faire mal. Par contre, c'est un héros qui ne va toucher que très peu de modèles à la fois, donc il va être très très peu à l'aise dans les mêlées contre les grosses unités qui comportent beaucoup de modèles, notamment beaucoup de modèles en armure. Même s'il va toucher beaucoup, à chaque fois il tuera que un ou deux pélos
alors qu'il va se faire taper dessus de tous les côtés. Et l'assassin a malheureusement une assez médiocre défense en mêlée de 51 et assez peu de points de vie avec 4108 et également relativement peu d'armure, ce que l'on peut arranger avec quelques objets, mais il restera toujours relativement fragile. Alors, une chose qu'il faut savoir avec l'assassin, c'est qu'il dispose de plusieurs compétences vraiment très efficaces. La première, c'est la bombe de camouflage qui va lui permettre de se cacher. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez approcher le plus près possible de votre cible. L'assassin de base a la compétence rodée, mais si vous arrivez à 70 mètres d'une unité, l'assassin devient visible. Et bien, si vous activez la bombe de camouflage, l'assassin va pouvoir s'approcher jusqu'à 20 mètres d'une unité avant d'être repéré. Donc ça permet comme ça de faire des contournements plutôt efficaces. Il a également la capacité glissant que vous devez, à mon avis, activer le plus souvent possible, en particulier s'il est engagé dans une grosse unité. Bref, le plus 24 de défense en mêlée sera absolument indispensable, hein, parce que sa défense est vraiment trop faible. D'autant plus que l'assassin a tendance à avoir des animations où il fait des roulades, où il saute un petit peu partout et il se retrouve très très vite encerclé par les ennemis. Et le plus 25% de vitesse est au contraire là pour vous permettre de faire un contournement ou d'échapper à quelque chose. Et en fait, un des combos qu'on fait assez souvent, c'est d'utiliser la bombe de camouflage pour arriver très vite à côté de l'ennemi et d'utiliser en même temps donc, la capacité glissant pour augmenter sa très bonne vitesse qui est déjà de 63, vous le voyez ici, quand il a les points de compétence en rapide. Enfin, l'assassin dispose de la capacité, le trophée d'assassin qui va donner un moins 24 de défense et moins 24 d'attaque en mêlée à la cible si l'unité est un seigneur ou un héros. Ça ne marche pas sur les monstres, ça ne marche pas sur les unités, c'est un petit peu dommage, mais ça reste tout à fait correct. Au niveau de son itemisation, plusieurs écoles s'affrontent, mais il y a deux items que je recommande absolument chez l'assassin et un troisième que je trouve vraiment pas mal. Le premier, il s'agit du breuvage Skaven. Le breuvage Skaven va augmenter énormément l'attaque, les dégâts des armes de base de votre assassin, mais lui donner un moins 30 en armure. Et en fait, je conseille vraiment d'utiliser ce breuvage au moment où vous fondez sur un personnage ou un seigneur ennemi en même temps que le trophée d'assassin. Donc vous allez donner à l'ennemi un moins 24 de défense et un moins 24 d'attaque et vous de votre côté vous allez gagner un plus 40 d'attaque et plus 30% de dégâts des armes de base. Autant dire que pendant le temps d'utilisation du breuvage Skaven, absolument toutes les attaques de l'assassin toucheront et avec un plus 30% de dégâts des armes de base, il va monter à quelque chose comme 802 dégâts des armes en moyenne à peu près. Ce qui veut dire qu'il fera quand même très 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 mal et en fait en combinant l'assassin et le breuvage Skaven, c'est le combo idéal pour vous débarrasser d'un mage ou d'un seigneur qui serait un petit peu fragile comme par exemple un Balthazar Gelt, un Wurzag, ce genre de choses. Le deuxième objet que je vous conseille vivement de prendre, eh bien, c'est un objet gris, c'est l'objet qui s'appelle le talisman de peau d'un rival. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça va donner un moins 40 d'attaque en mêlée à tous les ennemis autour. Et en fait, vous vous souvenez qu'avec le breuvage Skaven, l'assassin va prendre un moins 30 d'armure. Eh bien, si vous mettez un moins 40 d'attaque en mêlée et que du coup, les ennemis ne vous touchent pas pendant le temps du talisman de peau de rival, et finalement, ça nullifie quelque part l'effet négatif du breuvage Skaven. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose que je conseille de combiner. Ça marche très très bien ensemble, ça marche très très bien avec les capacités de l'assassin. Au niveau des armes que vous lui mettez, c'est un petit peu comme vous le voulez, celui-ci est itemisé avec une lame géante qui va lui donner un bonus contre l'infanterie. Donc en vérité, il a 110 d'attaque contre l'infanterie. Avec le breuvage Skaven, il va monter à 150 d'attaque contre l'infanterie. Autant dire que s'il y a un seigneur, un héros, n'importe quoi qui est à pied devant lui, celui-là, il se fait absolument découper. Enfin, au niveau de l'armure, mettez-lui un petit peu de l'armure que vous voulez, mais l'armure d'éclat de Malpierre est pour moi un très bon choix. Puisqu'il va faire 2 de dégâts magiques jusqu'à 9 modèles autour de l'assassin, jusqu'à ce que les unités meurent si l'assassin est engagé en mêlée et avec une portée de l'effet de 30 mètres. Je vous ai dit que l'assassin était assez peu efficace pour rentrer dans les gros blobs, mais avec cette armure, il aura quand même quelques chances de leur faire pas mal de dégâts. Alors, c'est pas aussi puissant que l'effet d'une machine mortise ou ce genre de choses, mais ça reste quand même quelque chose d'assez correct, en particulier contre les unités, eh bien, soit qui sont sensibles à la magie, soit qui ont assez peu d'armure. Parlons maintenant d'un héros Skaven qui est eh bien, récupérable sur Total War Access, et je veux bien entendu parler du chef Skaven. Alors,
Le chef est un spécialiste de mêlée qui apporte plusieurs choses à une armée Skaven et qui peut être très utile dans certains cas. La toute première chose qu'il va apporter, eh bien, c'est de la tankiness. Vous voyez qu'un chef, quand il est monté sur son broyeur, va quand même récupérer 7197 points de vie à comparer aux 4000 et quelques points de vie de l'assassin ou 3000 et quelques points de vie de la plupart des autres héros. Donc c'est un héros qui est quand même relativement solide. Au niveau des statistiques, il se trouve dans la moyenne des statistiques des héros, la moyenne basse on va dire, avec une armure convenable, un commandement correct, plutôt une vitesse pas trop mauvaise pour un Raogre en fait, puisqu'il est monté sur Raogre. Ensuite, une attaque et une défense qui sont à peu près équivalentes et qui en font donc un personnage plutôt équilibré. Et une puissance des armes qui comporte quand même pas mal de dégâts des armes perforantes. Donc ça, c'est à noter, surtout s'il est sur broyeur. Hein. Je parle bien entendu des chefs de haut niveau, je ne parle pas des chefs que vous recrutez en début de jeu. Alors, le chef va avoir plusieurs compétences qui sont assez intéressantes si vous les combinez entre elles. Alors, la compétence Loyauté Suspecte va permettre à votre chef de donner des chances à un seigneur de gagner 1 en loyauté à chaque tour. Et ça, c'est relativement important si vous avez des problèmes de loyauté avec certains seigneurs. Vous lui mettez un chef, vous lui donnez la capacité Loyauté Suspecte et ça va permettre eh bien, d'éviter que vous fassiez trahir et que vous ne perdiez bêtement une armée. Il donne également une résistance de ultime de 5% avec le seigneur. Et enfin, il a la capacité prise de pouvoir qui fait que si votre seigneur est tué ou mis en déroute, il va affecter toute la carte et donner un plus 8 de commandement à tous les Skaven sur la carte. Ensuite, il va avoir la compétence défenseur paranoïaque. En fait, c'est une explosion qui va permettre lorsque le chef fonce en mêlée eh bien, de se dégager assez facilement. Or, comme sur un broyeur, un chef a quand même un bonus de charge correct, eh bien, ça lui permet de faire un petit peu du cycle charge s'il en a envie sur les unités d'infanterie uniquement. Hein, l'explosion va avoir assez peu d'effet sur des unités de cavalerie. Ça lui donne également des chances de défense en embuscade de plus 10% pour son armée et des chances d'empêcher les actions des héros ennemis de moins 15%. Et ça, quand vous faites harceler pendant très longtemps, par des héros ennemis qui sont de haut niveau, bien le moins 15% de chances de succès, ça peut vraiment compter, d'autant plus que c'est cumulatif avec les autres chefs. Enfin, il va avoir la capacité chef dressé qui va augmenter son aura de commandement et l'effet du personnage sur le commandement, donc ça c'est un petit peu le truc le plus inutile. Il a les capacités standard d'un héros de corps à corps, c'est-à-dire chercheur d'ennemis qui représente de la vitesse et de la vigueur, et l'attaque dévastatrice qui sont des dégâts des armes perforantes, des dégâts des armes de base et un bonus de charge plus 40%. Bref, vous l'aurez compris, le chef sur le champ de bataille, c'est un tank qui est là pour retenir un maximum les unités ennemies. Il est aussi capable quand même de faire quelques dégâts. Et personnellement, je l'utilise un petit peu comme un héros de soutien parce qu'il va avoir des capacités un petit peu spéciales. En effet, les capacités qu'il possède en plus des autres Skaven sont la capacité gardien loyal. Alors gardien loyal n'agit que sur les cibles dans la zone, c'est-à-dire autour de soi les unités à portée. L'effet de la portée c'est 30 mètres. Et la cible c'est si un seigneur ou un héros se trouve à moins de 30 mètres du chef, il va gagner 1 plus 15% de résistance physique. Donc plutôt intéressant si vous avez un seigneur qui doit aller se battre au corps à corps, hein, on ne crache jamais sur un peu de résistance physique. Et il va également avoir la capacité gardien volage. Qui va lui donner, s'il a au moins 50% de ses PV de base, un 15% de résistance physique à lui également. Voilà, cette résistance physique est perdue si vous passez en dessous de 50% de PV, donc attention, on peut être surpris quand on voit que la vie de notre chef baisse beaucoup plus vite qu'avant, c'est juste qu'il a perdu trop de PV à la base. Ensuite, au niveau de l'itémisation du chef, pour moi, comme je vous ai dit, c'est un héros plutôt équilibré de soutien de mêlée. Donc je vais avoir tendance à l'équiper avec un home de discorde si j'en ai disponible parce que bah, moins 24 d'attaque en mêlée, moins 24 de défense, comme le chef il est en plein milieu des troupes ennemies. En général, ça aidera votre ligne à gagner son combat. Le hachoir des reins va au contraire augmenter l'attaque de toutes les unités qui se trouvent autour de lui, hein. Ça affecte aussi les héros. Donc si par exemple vous avez un assassin Skaven de l'armée de Snitch qui est à côté d'un chef, il va passer de 100 à 110 d'attaque en mêlée. On peut monter très très haut comme ça avec les bonus de ce type là. Évidemment ça lui donne aussi un petit peu de puissance des armes. Enfin je lui donne l'amulette d'opale, pourquoi? Parce que l'amulette d'opale c'est des points de vie supplémentaires. Or en fait je préfère garder les objets de résistance
ultime, comme par exemple le talisman de préservation qui donne 17% de résistance ultime, pour les personnages qui sont relativement fragiles finalement, qui n'ont pas beaucoup de points de vie, comme les assassins, comme certains seigneurs, comme Snitch, etc. Et les objets qui donnent plus de points de vie, eh bien, je préfère les donner à des chefs ou à des maîtres de meute, parce que bah, plus 3% de points de vie sur 4000, ça fait pas grand chose, sur 7000, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, ça donne également une résistance ultime de 20% face aux dégâts pendant 22 secondes, assez utile si votre chef se prend un burst de dégâts de la part d'un personnage adverse. Enfin, je lui donne la potion d'endurance qui va restaurer jusqu'à 1008 points de vie pour votre chef. Je vous rappelle que du coup, il peut regagner sa capacité qui lui redonne 15% de résistance physique si il passe en dessous de 50% et que vous utilisez cette potion et qu'il repasse au-dessus de 50%. Ça va lui donner également de la défense en mêlée et de l'armure, bref, tout ce que le chef aime avoir. Lorsque le chef se trouve dans votre armée, il apporte une capacité qui est aussi intéressante, qui s'appelle l'entraînement, qui va donner jusqu'à 25 points d'expérience par tour à toutes les unités qui se trouvent dans l'armée. Autant dire que cela va permettre finalement d'obtenir des troupes qui seront de haut niveau, et eh bien, on connaît tous un petit peu la puissance des niveaux sur Total War Warhammer, donc je vous conseille vivement d'intégrer un chef dans plusieurs types d'armées, en premier les armées que vous voulez faire progresser et les armées pour lesquelles vous avez des doutes sur la loyauté du seigneur. Pour moi, une des utilisations que je vais également faire du chef, c'est de les mettre dans les armées avec des seigneurs de guerre qui ne possèdent que des esclaves pour apporter un petit peu plus de tankiness à cette armée, pendant qu'une autre armée à côté qui comporte des tireurs va pouvoir faire le boulot. Sur la carte de campagne, le chef va bénéficier de la capacité à répandre l'ordre public, donc ça c'est exactement comme l'assassin, il peut blesser les héros, endommager les murs des colonies, donc ça c'est pratique si vous voulez attaquer plus rapidement une cité et que vous n'avez pas d'objet de siège, ça peut vraiment aider. Et enfin, il peut bloquer les armées ennemies, donc c'est un héros, je dirais, qui est quand même relativement polyvalent. Le troisième héros dont nous allons parler est un héros légendaire, et oui, j'avais dit que j'en parlerais dans la partie des héros, et ce héros, il s'agit de Gorich, alors qu'il n'est accessible que pour le clan Mulder au recrutement, mais vous pouvez toujours l'obtenir si vous le confédérez, comme c'est le cas par exemple dans cette partie où vous le voyez dans une armée du clan Scryer. Alors, Gorich, qu'est-ce qu'il va avoir, mis à part qu'il a probablement le portrait le plus moche de tous les héros de Total War Warhammer 2, c'est un héros qui va être relativement tanky, solide, puissant, va faire beaucoup de dégâts, c'est une brute en mêlée. Donc il a quand même 10 097 points de vie, il a une grosse armure, il a un très bon commandement, il est rapide, il a une très bonne attaque de 85, une défense qui pêche un petit peu de 54, une puissance des armes de 676, donc quand même 474 de perce armure. Alors celui-ci a un petit bonus contre l'infanterie, mais vous allez voir pourquoi. Il a également un très bon bonus de charge, mais ça ne s'arrête pas là. En effet, Gorich va avoir un certain nombre de capacités, notamment la capacité Châtain de Malphose qui va donner plus 8 de bonus de charge à toute votre armée, ainsi que plus 5 de commandement à l'armée dans laquelle il est intégré, et la capacité Éviscération. Alors, Éviscération, qu'est-ce que c'est cette capacité? C'est celle-ci, c'est un vortex qui dure 4 secondes, qui a 1 minute 30 de cooldown et qui va en fait infliger 120 de dégâts perce armure à tous les modèles qui sont touchés par l'AOE de Gorich. Alors, c'est une AOE qui s'étend pendant les 4 secondes. Elle fera pas mal de dégâts. Maintenant, il ne faut pas non plus compter sur cette capacité pour annihiler une unité de brise-fer, faut pas non plus exagérer. Ensuite, ce que va apporter Gorich, eh bien, c'est la Frénésie Warp. C'est une capacité de héros. Il va donner 25% de dégâts des armes perforantes, de 24 d'attaque en mêlée et 25% de dégâts des armes de base. Ça, c'est un buff qui se donne à lui-même qui a 1 minute 30 de cooldown. L'attaque dévastatrice dont nous avons déjà parlé. Ensuite, il va avoir comme capacité spéciale la capacité assaut frénétique qui s'obtient avec les capacités de personnages. Qui va donner un plus 40% de bonus de charge et plus 12%, plus 12 d'attaque en mêlée à tous les alliés à 30 mètres. Donc vous l'aurez compris, Gorich, il est vraiment là pour aller défoncer des crânes au corps à corps. Il va également disposer de la très bonne capacité qui s'appelle Bouclier de sang, qui affecte tous les Skaven à portée et qui va leur donner un plus 15% de résistance à la magie. Il a la capacité gardien qui donne 15% de résistance physique s'il se bat à côté d'un seigneur ou d'un héros.
Et la capacité rage, en fait, la rage, ça donne quoi? Ça donne à Gorich des bonus au fur et à mesure qu'il se bat. Cette capacité, en fait, se charge pendant 45 secondes et à chaque étape, elle apporte des capacités supplémentaires. Donc, dans les premières 45 secondes, il va gagner 1 plus 8 de commandement, puis 45 secondes plus tard, 10 de résistance physique. Et encore 45 secondes plus tard, il va récupérer 10 de résistance physique, 8 de commandement et 5 d'attaque en mêlée. Et une fois que ces 45 secondes seront passées, on repart sur la première capacité. Voilà, il est frénétique de base. Après, il a les capacités Skaven un petit peu standard. C'est un monstre Moulder. Donc ça, je pense que ça ne surprendra personne. Il cause la terreur et évidemment la peur. Et il a l'attribut assiégeur. Bon, autant dire que c'est quand même pas le héros le plus dégueulasse que vous puissiez trouver. Au niveau de ses compétences particulières donc, qu'il va avoir, il va également disposer de la capacité maître des arènes. Donc ça, c'est si vous jouez le clan Mulder uniquement, qui va vous donner plus de jus de croissance, plus 8 d'attaque dans les monstres pour toutes les unités dans l'armée. Donc il est vraiment à mettre dans une armée de monstres. Hein. Là, je l'ai mis dans l'armée d'Ikit un petit peu pour le LOL. Mais en général, là où il sera le plus efficace, c'est évidemment dans l'armée de Thrott. Et il donne plus 1 au recrutement pour toutes les unités d'infanterie monstrueuse et les monstres. Donc en l'occurrence, les Raogres, les Abominations, etc. Ensuite, il va avoir donc, la capacité Frenzy Warp dont on a déjà parlé. La Fury Norse, on l'a déjà vu. Alors, l'esprit intact, ça c'est probablement une des capacités les plus fumées que vous puissiez avoir chez Gorich. En effet, il va donner plus 3 d'ordre public à la province locale, ça on s'en tape, mais plus 150 d'expérience à toutes les unités dans l'armée par tour. Et ça se cumule avec les autres bonus d'expérience que vous pourriez avoir chez Skaven, comme par exemple un sorcier Ishin ou un chef. Ça veut dire que si vous mettez Gorich dans une armée plus un sorcier Ishin plus un chef, vous pouvez monter jusqu'à 215 points d'expérience par tour. Voilà, ça se défend quand même plutôt pas trop mal. Ensuite, vous allez avoir la capacité chef fiable. Alors, donc, on a vu, ça donne la capacité de bouclier de sang, mais qui augmente aussi la taille de l'aura de commandement de Gorich. Et enfin, le Shadow of the Throat qu'on a vu un tout petit peu avant, c'est la loyauté plus 1 pour les nouvelles recrues dans toute la faction, donc plutôt efficace dans tous les clans, sauf le clan Ishin qui s'en fout. Et plus 10% de points de vie pour Gorich. Bon, ça, jusque-là, rien d'intéressant. La capacité passive gardien, on en a déjà parlé. Bref, vous l'aurez compris, Gorich est un très 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 bon seigneur, très très bon héros, pardon. Il va avoir la capacité entraînement lui-même, ce qui se cumule donc avec sa capacité esprit intact, et qui permet de se passer de la capacité entraînement d'un chef dans l'armée. Et enfin, parlons de son itemisation. Alors, itemisation, moi je l'ai équipé ainsi, mais vous pouvez très bien lui donner ce que vous voulez. Alors, le premier objet que je lui ai donné, c'est le Scataplasme, qui va augmenter encore ses points de vie. Hein, donc, c'est pour ça qu'il est à plus de 10 000 chez moi. Et qui va lui restaurer jusqu'à 1584 points de vie en 33 secondes. Gorich est un héros qui doit aller au corps à corps, au cœur de la mêlée. Le Scataplasme ou le breuvage de potions d'endurance sont un petit peu les deux meilleures potions qu'on puisse lui donner. Alors, pourquoi je lui ai donné plutôt le Scataplasme plutôt que la potion d'endurance, parce que ça augmente les points de vie de base, et comme ils sont déjà très élevés, finalement, je trouve que le bonus de points de vie est presque plus important que le bonus temporaire de défense en mêlée que peut gagner un héros avec la potion d'endurance. Ensuite, je vais lui mettre un talisman de préservation, évidemment, hein, la résistance ultime plus 17%, indispensable pour un héros qui passe autant de temps en mêlée que lui. Il va avoir l'épée sanglante. Alors l'épée sanglante, c'est pour augmenter un petit peu son attaque et sa puissance des armes. Enfin, un petit peu, même beaucoup quand même, plus 12 et plus 6%. Est-ce qu'il y a vraiment des meilleures armes à lui donner à Gorich? Je ne pense pas. En fait, il a tellement une bonne attaque et des bons dégâts des armes qu'en fait, les augmenter encore, eh bien, ça booste juste son efficacité. Mais évidemment, si vous avez envie de lui mettre d'autres armes plus puissantes, ça peut se faire. L'orgueil des Massamunés qui lui donne plus 100 de dégâts des armes perforantes, la capacité de tornade et de la puissance des armes peut être une très très bonne arme. L'autre arme qui peut être très forte chez Gorich, c'est la lame géante parce que ça lui donne un bonus contre l'infanterie et de la puissance des armes. Et enfin, la lame d'obsidienne, ça peut également être très très bon, puissance des armes perforantes et dégâts des armes perforantes et puissance des armes. Bref, vous l'aurez compris, mettez à lui un petit peu ce qui fera le plus mal. Hein. Il est peut-être le héros qui le mérite le plus dans toutes vos armées.
Donc n'hésitez pas à lui donner vraiment l'arme top qualité que vous pouvez avoir. Et enfin, au niveau de l'armure, je lui ai mis cette armure qui s'appelle l'armure d'éclat de Malpierre. Alors, on en a déjà parlé avec l'assassin. Comme Gorich passe son temps au corps à corps, ben vous êtes à peu près sûr que vous allez la rentabiliser comme il faut. L'autre armure qui peut évidemment être très intéressante chez lui, c'est l'armure resplendissante, parce que comme ça, il se fera un petit peu moins toucher. Ou encore de récupérer les bottes de propulsion. Alors ça, c'est un objet qui vous est donné par les dilemmes de loyauté Skaven, qui peut être très intéressant. Ou alors l'armure chromatique, qui est en fait une armure resplendissante améliorée, avec un plus 10 d'armure et de la résistance aux projectiles. Bref, moi, personnellement, j'ai choisi de lui mettre l'armure d'éclat de Malpierre. Je trouve que c'est avec ça qu'il fera le plus de dégâts. Vous l'aurez compris, j'ai axé Gorich sur les dégâts, parce que je pense que quand vous sortez un bestiau de cette taille-là, eh bien, c'est pas pour tanker. Tanker, c'est bon pour les chefs, à la rigueur, pour les maîtres de meute. Mais Gorich, il est là pour foutre des baffes, des mandales, des torgnoles et vous retourner comme une crêpe. Le héros suivant dont nous allons parler est le maître de meute. Alors quand vous le recrutez au niveau 1, le maître de meute, eh bien il faut dire qu'il a des statistiques qui sont vraiment pas terribles. C'est un héros Skaven qui commence avec des statistiques qui sont presque celles d'un guerrier des clans, mis à part ses points de vie. Qu'est-ce qu'il va apporter si vous le recrutez dans le clan Mulder? Il va disposer de la capacité de héros qui s'appelle chasser avec la meute et qui va restaurer 4 points de vie par seconde sur 3 alliés à portée si les unités sont des monstres du clan Mulder, hein, donc des Ralous, des Raogres mutants, des Abominations de Malfaux, ce genre de choses. Et bien écoutez, c'est un héros qui pour moi met beaucoup de temps à devenir efficace. En effet, avant d'atteindre un certain niveau, le maître de meute est un héros de soutien qui est relativement médiocre. Hein, là où il va commencer à prendre toute sa mesure, c'est lorsqu'il va récupérer ses compétences d'invocation, hein, Vague de Mort et Vague de Peste, des invocations de Ralous à poison et avec des attaques perce armure, et il peut bien évidemment monter sur une horreur de la portée qui va lui donner la meilleure vitesse de tous les héros Skaven, qui va lui permettre d'être un très bon héros de contournement à lui tout seul, parce que s'il arrive à contourner la ligne adverse et à se mettre dans les archers pour invoquer ses ralous, tout simplement il va faire des ravages. Le maître de meute est également très efficace en accompagnement des unités de raogres, d'abominations, ce genre de choses, puisque il va leur donner plus de commandement, donc ça c'est plutôt pas trop mal, et il va également disposer de la capacité maître corrupteur qui augmente le taux de reconstitution des victimes pour ralous, raogres, raogres mutants, etc. Vous aurez compris un petit peu le principe. Alors, il va avoir la capacité carotte et bâton qui diminue l'entretien de ces mêmes unités. Donc si vous mettez en fait 10 maîtres de meute dans une armée, vous obtenez du coup un entretien de 0 pour toutes les unités de monstres que vous mettrez à côté. Alors, une petite joke, hein, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup d'avoir des abominations, etc. à 0 d'entretien, puisque 10 maîtres de meute, c'est pas très très efficace, mais bon, ça peut toujours être un petit kiff que vous pouvez vous faire, sachant que ça donne également un plus 1 au rang de recrutement pour les ralous, raogres, etc. Et que eh bien, ce plus 1 se cumule. Donc si vous avez 2 maîtres de meute, comme c'est le cas dans cette armée, eh bien je dispose 2 fois du plus 1. Ensuite, il va pouvoir avoir 2 capacités qui sont mutuellement exclusives. C'est-à-dire que quand vous mettez un maître de meute dans une armée, vous allez pouvoir lui dire soit il va aider à reconstituer les troupes, soit il va aider à fouiller. Donc, reconstituer les troupes, en cela, il va pouvoir remplacer un assassin Skaven. Et l'assassin Skaven, je vous rappelle, c'est un héros qui est très efficace pour aller tuer des seigneurs, des héros, etc. Mais il est plutôt mauvais dans les situations où il fait face à des gros blobs d'infanterie. Là où le maître de meute est quand même un petit peu plus à l'aise, parce que sa monture lui permet en fait de faire pas mal de cycle charge avec pas mal d'efficacité, puisqu'elle a un très très bon bonus de charge. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Le maître de meute, il va avoir la capacité collier de choc. C'est un buff qu'il peut attribuer à n'importe quelle unité de monstre du clan Mulder et lui donner 24 d'attaque en mêlée, 16 de commandement et une immunité totale à la psychologie. Ouais, vous l'aurez compris, c'est un héros qui permet de transformer vos monstres en véritables brutasses, et c'est là qu'il va être très bon.
Alors, pour en revenir avec la capacité écorcheur, l'action reconstituer les troupes donc va jusqu'à 10%, là où l'assassin monte jusqu'à 15%. Donc le maître de meute est un petit peu moins efficace que l'assassin pour reconstituer les troupes, mais il fait quand même tout à fait le boulot. Le petit effet Kiss Cool qu'il va avoir, c'est qu'il va déverrouiller, en fait il va diminuer pardon, la reconstitution des victimes des ennemis de 10%. Donc oui, pourquoi pas, ça c'est pas trop trop mal. Maintenant, j'ai rarement eu l'occasion d'avoir des ennemis qui ont survécu suffisamment longtemps à mes attaques pour que je puisse vraiment bénéficier de cette capacité. Si vous le mettez sur la carte de campagne, le maître de meute va voir sa compétence pour blesser les héros ennemis augmenter de 10%, et si vous mettez la trappe héros au niveau 2 de 20%, et en plus de diminuer ses coûts d'action du héros de 20% supplémentaires. Donc vous voyez qu'avec la capacité spécialiste qui donne moins 40% de coûts d'action du héros, plus la capacité attrape héros qui va donner encore moins 20%, vous descendez à moins 60% du coût de l'action du héros. Et vous disposez également de la technologie Skaven qui va permettre encore d'améliorer ceci, avec la capacité tirer profit des criminels qui diminue encore de 20% les coûts de l'action du héros. Donc vous avez bien calculé, on peut descendre jusqu'à moins 80% de coûts de l'action du héros. Ensuite, que peut-on dire du maître de meute au niveau de son itémisation? Alors je vous ai donné un petit exemple du maître de meute que j'ai itémisé, et j'espère au mieux. Et celui-ci va disposer des bottes de propulsion, qui est un objet que l'on obtient dans les dilemmes de loyauté Skaven. Alors les dilemmes de loyauté Skaven, vous n'en aurez jamais avec le clan Ishin, donc vous ne pourrez pas avoir cet objet avec le clan Ishin, mais pourrez l'avoir avec tous les autres clans. Qui est un objet qui donne de l'armure, de la défense en mêlée, et la capacité chercheur d'ennemis. Chercheur d'ennemis, je rappelle, c'est de la vitesse et de la vigueur. Or, le maître de meute n'a pas cette capacité à la base. Donc c'est pour ça que je la lui donne via cette armure. Au niveau de l'arme que j'aime bien lui mettre, je lui mets en général ou bien une lame d'obsidienne que je trouve tout à fait à propos chez lui. Hein, plus 8% de dégâts des armes et des dégâts des armes perforantes. Mais il y a d'autres armes qui seront très utiles aussi, comme l'épée sanglante qui vont augmenter un petit peu son attaque, qui n'est pas terrible de base. Hein, et vous voyez qu'il a 45 d'attaque. L'épée sanglante ne serait pas forcément idiote à lui donner dans son cas. L'autre arme qui pourrait être très très bonne chez lui, c'est l'orgueil des Masamune qui augmenterait ses dégâts des armes perforantes, sa puissance des armes, et lui donnerait des tornades. Et comme je vous rappelle qu'il peut se balader vraiment où il veut avec sa très grande vitesse, et bien finalement la tornade, vous pourrez la placer un petit peu comme vous le voulez. Ensuite, au niveau du talisman, je vous conseille de lui mettre soit un talisman qui augmente sa résistance physique ou sa résistance ultime, soit de lui mettre un talisman qui va lui augmenter ses points de vie. Vous voyez qu'avec un pendentif en plume d'aigle, il va gagner, alors là le pendentif n'est pas encore actif, mais il gagnerait 3% de points de vie supplémentaires. Et bon, il mettrait un moins 5 d'attaque en mêlée aux ennemis volant autour de lui, ça on s'en fout un petit peu, puisque le maître de meute ne vole pas. Enfin, on va avoir un objet enchanté qui va s'appeler ici la poussière de Malpierre enrichi, qui donne la capacité vision apocalyptique, qui va donner plus 16 de commandement et plus 24 d'attaque en mêlée aux alliés pendant 18 secondes avec un cooldown de 1 minute 30. Et en fait, ça, c'est à activer exactement en même temps que la compétence collier de choc, et comme ça, vous pourrez vous retrouver avec une meute de Raogre qui, au lieu d'arriver avec un 34 d'attaque en mêlée, va arriver avec un 34 plus 48. Donc, ça va quand même monter à 82 d'attaque en mêlée pour une unité de Raogre en charge avec le bonus de charge supplémentaire. Autant dire que là, vos Raogres vont en général déchiqueter absolument tout ce qui va leur passer sous la patte. Voilà. Au niveau de ses interactions sur la carte de campagne, le maître de meute va disposer des capacités suivantes. Alors, il va pouvoir aider à stimuler la croissance d'une province, mais bon, la croissance n'est en général jamais un problème chez les Skaven, donc ça, pas très important. La capacité blessée dont on a parlé, hein, où le maître de meute va pouvoir payer ses actions à juste 20% du prix total des coûts des actions, ce qui veut dire que si par exemple vous avez battu une ou deux fois Morati dans la partie avec deux seigneurs différents, la capacité ne va quasiment rien coûter. Il peut également endommager un bâtiment d'une colonie, ça c'est nul, je ne l'utilise absolument jamais. Et enfin, il va pouvoir entraver la reconstitution d'une armée ennemie. C'est une capacité extrêmement situationnelle qui n'est pas forcément très intéressante. Bon, vous l'aurez compris, le maître de meute est quand même mieux dans une armée qu'à l'extérieur.
Nous allons passer à un de mes héros préférés dans les armées Skaven, et je veux bien entendu parler du prêtre de la peste. Alors le prêtre de la peste, pourquoi est-ce que je l'aime autant? Eh bien je vous invite, pour le savoir, à aller regarder la vidéo qui s'appelle Analyse du domaine de la peste, dont je vous mets le lien en description, et qui est sortie en fait juste avant celle-là. On va parler un petit peu du héros en lui-même, et le héros, quand il est de haut niveau, en fait il a plusieurs utilités qui sont vraiment sympas. La première, c'est qu'il va pouvoir disposer non seulement d'un arbre donc, qui lui permet d'augmenter ses capacités magiques dans le domaine de la peste, mais également d'un arbre entier qui va permettre finalement d'en faire un combattant convenable. Hein. On va pas aller jusqu'à dire un bon combattant, mais convenable pour un sorcier. Et surtout, la très très bonne capacité de ce héros, c'est le creuset de la peste. Le creuset de la peste, c'est sa monture. Et sa monture, ben ma foi, elle fait partie des montures les plus originales et quelque part parmi les meilleures montures du jeu. Alors, que donne exactement le creuset de la peste? Eh bien, nous allons regarder ça tout de suite. La première, c'est qu'il va donner la capacité souffle pestilentiel, qui va avoir une minute de cooldown. C'est exactement le même sort que le souffle pestilentiel que possède le prêtre de la peste à la base. Mais cette fois-ci, c'est une capacité de monture qu'il peut utiliser toutes les 60 secondes, il n'y a pas de limite au nombre d'utilisations de cette capacité, et elle va faire des dégâts magiques assez légers, mais qui pourront quand même être efficaces sur les unités qui sont relativement peu armurées. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sa monture va lui donner énormément d'armure. C'est un des héros Skaven qui possède le plus d'armure. C'est pas celui qui en a le plus, hein. Celui qui en a le plus, c'est le Technomage. Mais en tout cas, il va avoir quand même une excellente armure. Il aura également un excellent commandement s'il est placé sur cette monture. Parce que, je sais pas, il veut protéger sa monture ou quelque chose comme ça. Et surtout, elle va lui apporter la capacité que vous avez ici qui s'appelle les vapeurs virulentes. Alors, les vapeurs virulentes, c'est un petit peu comme une machine mortis. Ça va faire 3 de dégâts magiques à 5 modèles toutes les 1 seconde autour du prêtre de la peste. Je répète, toutes les 1 seconde. Hein. Donc si votre prêtre de la peste reste, on va dire, une minute en mêlée, il va infliger donc 3 x 5, 15, multiplié par 60. Bon, je vous laisse faire le calcul. Grosso modo, il va faire pas mal de dégâts autour de lui à chaque moment qu'il va passer en mêlée. Et ce n'est pas tout. Le prêtre de la peste va également apporter la reconnaissance qui va lui permettre de récupérer plus d'objets magiques à la fin de la bataille. Ça tombe bien, on a énormément de héros à stuffer avec les Skaven, donc un héros pour moi qui est super équilibré parce qu'il est fort mais pas trop fort, il a un bon domaine de magie mais pas un trop bon domaine de magie, il apporte des capacités qui sont très intéressantes mais pas indispensables, donc finalement pour moi ça en fait un des meilleurs héros et je crois que j'intègre des prêtres de la peste à quasiment toutes mes armées. Et puis, bien entendu, ses capacités à invoquer le flot de vermine, à utiliser l'infect de bénédiction, la décrépitude, enfin bon, ce que vous voulez, le vortex de la peste, qui est un des meilleurs vortex du jeu, font que finalement, c'est un très très bon mage. Et il a évidemment accès au conduit arcanique, qui lui permet de régénérer pas mal quand même les vents de magie. Mais il a aussi les deux capacités, chercheur d'ennemis et attaque dévastatrice, qui finalement, sur un mage, peuvent quand même l'aider un petit peu. Au niveau de l'itémisation des prêtres de la peste, alors là je vous ai mis une itémisation on va dire un petit peu standard que j'aime bien leur donner. J'aime bien leur donner l'armure du destin parce que le prêtre de la peste est finalement déjà relativement difficile à tuer. Donc lui donner plus d'armure, de la résistance physique et de la résistance ultime, eh bien ça permet de rester plus longtemps en mêlée et donc de bénéficier de la capacité spéciale du creuset de la peste. Mais une autre armure qui est vraiment très très bonne à lui donner, c'est de lui donner l'armure... qui fait des dégâts en mêlée, qui est l'armure d'éclat de Malpierre, qui en fait se combine très bien avec le creuset de la peste. En fait, si vous mettez les deux, vous allez voir que vos prêtres de la peste risquent de terminer les batailles avec énormément de dégâts infligés, sans pour autant que vous ayez forcément lancé beaucoup de sorts, mais tout simplement par leur capacité passive. Ensuite, le hachoir des reins, comme je vous l'ai dit, le prêtre de la peste doit être en mêlée. Donc augmenter les capacités d'attaque de tout le monde autour de lui, eh bien ça fait du bien. La pierre de l'aube, alors là il a plus 15% de résistance physique, mais j'aurais très bien pu encore une fois lui mettre un taillissement de préservation pour qu'il ait la résistance ultime et qu'il tienne encore mieux. La couronne de commandement est pour moi un très très bon item chez le prêtre de la peste, puisque comme je vous l'ai dit, il fait partie des héros Skaven qui ont le meilleur commandement du jeu. Et c'est aussi un des rares héros
qui va vous rester à la fin d'une bataille un petit peu tendue. La couronne de commandement peut vous aider à empêcher une unité de fuir en lui redonnant tout son moral instantanément pendant 30 secondes, ou bien tout simplement même à gagner certaines batailles. Et je vous avoue qu'il m'est déjà arrivé au moins 3-4 fois de gagner des batailles très 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 tendues grâce à un prêtre de la peste qui avait la couronne de commandement. Et c'était des batailles qui, grosso modo, changeaient le cours de la partie. Donc pour moi, excellent item à lui donner. Ensuite ici, je lui ai donné une pierre de vision qui augmente les chances de succès de l'embuscade de plus 5% pour l'armée du seigneur. Donc c'est vraiment très utile dans une armée Skaven d'avoir un petit peu des chances d'augmenter les embuscades en plus de celles du seigneur, parce que voilà, vous pouvez engager plus facilement en embuscade. Et la capacité pierre de vision va donner également au prêtre de la peste un plus 8 de commandement. Je vous rappelle qu'il a déjà un bon commandement de base de 92 et un 20% de résistance aux dégâts ultimes. Donc voilà, il sera encore plus tanky. Si votre prêtre de la peste se trouve sur la carte de campagne, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter la capacité à répandre la corruption qui va augmenter la corruption Skaven dans la région dans laquelle il se trouve. Alors, est-ce que c'est une capacité qui est très utile? Oui et non. Si vous faites stationner un ou deux prêtres de la peste plusieurs tours dans une province, vous pouvez obtenir en fait plus de capacités de menaces souterraines. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est si vous pouvez effectivement gagner une ou deux menaces souterraines en plus. Alors par contre, pour le prix d'entretien d'un prêtre de la peste, je ne suis pas tout à fait sûr que ça vaille le coup tant que vous n'avez pas des revenus astronomiques comme ce que j'ai dans cette campagne là. Mais voilà, c'est une capacité que je juge quand même plutôt correcte. Sans pour autant la trouver ultime, hein, c'est-à-dire qu'on l'a, tant mieux, on ne l'a pas, tant pis. Voilà. Moi, j'aime bien parfois essayer de jouer la corruption Skaven dans les parties qui sont très tendues, mais la plupart du temps, j'arrive à me débrouiller sans elle. Parmi les autres actions disponibles pour le prêtre de la peste, vous pouvez blesser les héros, vous pouvez également endommager les murs de la colonie et entraver les reconstitutions. Or, toutes ces actions peuvent être entreprises aussi par d'autres héros, parfois mieux que le prêtre de la peste, hein, puisque en général, ils vont avoir des points de compétence qui vont un petit peu booster l'une ou l'autre de ces actions. Donc, est-ce que le prêtre de la peste vaut vraiment le coup sur la carte de campagne? Je dirais que ça dépend si vous avez beaucoup de sous ou si vous voulez jouer vraiment la corruption Skaven à fond, évidemment il l'a, sinon vous pouvez très bien vous en passer. Le héros dont nous allons parler maintenant est sans doute un des meilleurs héros du jeu. Et je pèse mes mots, c'est vraiment un héros que j'adore et on va parler bien entendu du sorcier Isshin. Alors, pourquoi est-ce que je me permets de dire que c'est un des meilleurs héros du jeu? Et je vais aussi me permettre de dire que c'est probablement un des plus sous-estimés. Or, il est sous-estimé parce qu'en général, il arrive assez tard dans la campagne. Pour le récupérer, il faut bénéficier du bâtiment qui s'appelle la Tanière des Secrets, qui arrive au niveau 3 dans le clan Isshin et au niveau 4 dans la plupart des autres clans. Donc en fait, c'est un héros qui arrive un petit peu tard et au moment où on a déjà pas mal d'autres héros. Donc c'est peut-être pour ça que les joueurs le jouent finalement assez peu. Mais vous allez comprendre que c'est peut-être une grosse erreur et que ça fait partie des meilleurs héros possibles. Alors, la première chose, c'est que le héros va bénéficier de statistiques bien plutôt correctes pour un sorcier qui est capable surtout de se défendre. Regardez un petit peu la défense emmêlée de celui-ci. Alors, elle est un petit peu boostée de 5 par le bouclier de Ptolos, mais c'est seulement 5, donc ça veut dire qu'il a quand même à la base 72 de défense emmêlée. Donc c'est un sorcier qui est capable d'affronter des héros, okay, même plutôt costauds au corps à corps, et bien en tout cas de ne pas se faire toucher, et c'est ça qui est intéressant en fait. Il va pas faire très mal, mais il va pas encaisser beaucoup de coups. Il est plutôt rapide pour un rat qui est à pied, mais bon, ça vaut pas non plus les personnages sur monture. Il va avoir une attaque magique là parce qu'il a une épée du tourmenteur, mais sinon il va avoir une attaque normale de 55 qui est, ma foi, relativement correcte. Encore une fois, on parle d'un sorcier, on ne parle pas d'un héros spécialisé dans le corps à corps. Et il va avoir l'excellent domaine des sorciers Isshin, qui sera développé un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Hein. Je ne vais pas m'attarder dessus ici, mais pour moi, c'est un très 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 bon domaine de soutien parmi probablement les meilleurs du jeu. Mais surtout, ce qui va différencier le sorcier Isshin des autres héros Skaven, c'est qu'il est complètement couteau suisse avec vraiment beaucoup de cordes à son arc. Alors,
L'une de ses premières cordes, c'est qu'il dispose de la capacité boule de malfeu. Il va pouvoir lancer jusqu'à 4 boules de feu sur le champ de bataille. Hein, donc c'est exactement les mêmes boules de feu que celles que lance un sorcier du feu, sauf que là, ça s'appelle boule de malfeu. Ça va faire 350 de dégâts de feu et magique, ainsi que 150 de dégâts de feu magique et perce armure aux entités qu'il touche. Et il a également un rayon de détonation qui va faire 144 de dégâts magiques. Bon, vous l'aurez compris, ça fait quelques dégâts, c'est pas ultime, mais ça peut quand même endommager assez sérieusement certaines unités, voire ça peut détruire une pièce d'artillerie. Et c'est surtout là-dessus que c'est intéressant. L'autre point très intéressant du sorcier Ishin, c'est qu'il dispose de la capacité en reconnaissance qui permet d'augmenter les chances de récupérer des objets magiques de 15% supplémentaires. Ça, c'est exactement comme le prêtre de la peste, mais il dispose aussi de la compétence entraînement de Katé. Et la compétence entraînement de Katé, elle n'est pas, comme chez les maîtres de meute, différenciée de la compétence en reconnaissance. C'est-à-dire que vous pouvez faire les deux à la fois. Quand vous mettez un sorcier Ishin dans une armée, là vous allez voir, on le sort et on le remet, et c'est toujours en reconnaissance. Donc il peut à la fois entraîner l'armée dans laquelle il se met, et également lui faire bénéficier de la capacité en reconnaissance. Et là où l'entraînement de Katé est vraiment encore plus intéressant, c'est que c'est 40 d'expérience pour les unités par tour, pour toutes les forces dans la province, et que c'est cumulatif. Qui signifie que si vous avez plusieurs sorciers Ishin combinés avec des chefs par exemple dans vos armées, un sorcier Ishin plus un chef, ça va faire plus 65 d'expérience par tour. Et en plus, ces sorciers Ishin vont tous entraîner les troupes de la province et vous allez avoir finalement une expérience qui va monter assez vite. C'est pour ça que j'adore cette capacité, simplement parce qu'elle ne remplace pas en reconnaissance et qu'elle s'applique à tout le monde. Ensuite, on va avoir la capacité bombe de camouflage. C'est toujours utile pour un héros, en particulier un sorcier, pour pouvoir se cacher des héros un petit peu costauds qui pourraient vouloir lui faire la peau. Hein. Par exemple, vous voyez qu'il vous arrive sur la gueule un Tyrion. Hop, petite bombe de camouflage. Vous vous barrez le plus vite possible loin de lui. Il ne va pas savoir où vous êtes. Et bah, finalement, vous allez pouvoir ensuite lui renvoyer quelques boules de feu. Enfin, comme c'est un sorcier, il va aussi bénéficier de la capacité du conduit arcanique. Donc, eh bien, il va permettre de bien remonter les vents de magie. Ensuite, on va regarder un petit peu son itemisation et que demande le peuple. Et au niveau de l'itemisation, qu'est-ce que je vais donner en général à un sorcier Ishin? Alors, vous voyez que le sorcier Ishin peut se contenter d'objets qui sont finalement relativement peu coûteux. Ce sont pour la plupart des objets de très bas niveau. Là, je lui ai juste mis un bouclier de Ptolos pour qu'il ait un petit peu de défense en mêlée et de la résistance aux projectiles, parce que finalement, ce qui est le plus dangereux pour lui, c'est les projectiles, puisque en mêlée, il se défend assez bien. Il va avoir une épée du tourmenteur pour bloquer les unités ennemies autour de lui et éventuellement leur donner un moins 24 d'attaque en mêlée. Comme il a une très bonne défense, eh bien, il ne se fera pas beaucoup toucher donc pendant les 9 secondes pendant lesquelles dure le cast. Il va également avoir un taillissement de protection, hein, comme je vous l'ai dit, pour les personnages un petit peu fragiles, je préfère donner des taillissements de protection, des taillissements de préservation, ce genre de choses. Et je vais alors combiner deux objets qui vont en fait très très bien se combiner avec la boule de malfeu qui est ici. Et ces objets, ce sont l'anneau rubis de ruine, donc il va lui donner encore 4 boules de feu supplémentaires. Donc vous avez bien calculé, 4 et 4, il va avoir 8 boules de feu, dont en plus qui ne partagent pas le même cooldown, donc vous pouvez enchaîner les boules de feu avec lui. L'air de rien, ça peut complètement défoncer un personnage, une unité de cavalerie, voire des unités de monstres comme par exemple des trolls. Le sorcier Ishin va être très efficace dessus. Et je vais lui donner le bâton catalyseur. Bâton catalyseur qui lui donne donc moins 10% de temps de repos sur tous les sorts. Mais également, quand vous l'utilisez, il va donner moins 15 secondes de temps de rechargement de capacité. Donc en fait, l'idée avec le sorcier Ishin, c'est, par exemple, vous êtes sur la carte de bataille, vous allez activer votre compétence boule de malfeu, puis ensuite vous allez lancer un anneau de rubis de ruine, et puis éventuellement, on va dire, un sort au hasard, les étoiles de Malpierre, sur un personnage. Donc le personnage, il va être déjà bien à la peine. Vous activez le bâton catalyseur, et ça vous redonne presque, pas instantanément, mais ça raccourcit énormément le temps de recharge de votre anneau de rubis de ruine et de la capacité boule de malfeu, et vous pouvez les relancer assez rapidement derrière. Voilà un petit peu pourquoi je lui ai mis ceci, et pourquoi eh bien, j'aime beaucoup ce héros qui va être polyvalent,
extrêmement utile et puis pas très difficile à équiper. Le héros dont nous allons maintenant parler est probablement un des meilleurs héros du jeu, toutes catégories confondues. C'est un héros qui est à la fois ultra utile sur la carte de campagne et ultra utile dans les armées. Et du coup, c'est un héros qui est relativement difficile à obtenir. En effet, on parle du technomage, et le technomage, eh bien, ou bien vous avez certaines capacités de seigneur pour en obtenir. Ikit possède notamment un point de compétence qui vous permet d'avoir plus de héros technomage. Ou bien vous avez le bâtiment qui s'appelle l'usine à turbines en malpierre qui va vous permettre en fait d'avoir plus un héros recrutable pour les technomages. Alors c'est un bâtiment qui est relativement compliqué à avoir, en tout cas en début de partie, puisqu'il nécessite une colonie de niveau 5 ainsi que d'avoir fait ce bâtiment à son tout dernier niveau. Évidemment, le premier technomage que vous pourrez recruter si vous n'en avez pas déjà un, c'est avec le niveau 1 en fait du bâtiment, hein, la caverne de construction, mais pour en avoir davantage, il vous faut absolument des usines à turbines de malpierre. Alors le technomage, on va commencer à regarder le technomage qui se trouve dans les armées. Lorsqu'il se trouve dans vos armées, le technomage va probablement être un des meilleurs héros de support que vous puissiez avoir. Alors regardons un petit peu vite fait ses compétences. Tout d'abord, il dispose de la capacité augmenter la mobilité. Et augmenter la mobilité, eh bien, ça veut dire que vous avez jusqu'à 15% de portée de déplacement supplémentaire, ce qui est absolument énorme, hein, qui vous permet d'aller très très vite avec une armée Skaven. Il va également énormément booster vos troupes de tir, hein, avec l'entraînement au tir de standardisé. Déjà, juste le tout premier point est excellentissime. Réduction du temps de rechargement de plus de 8% pour toutes les unités de lance-projectiles. Il va augmenter les munitions de vos unités en bataille, en plus d'augmenter un petit peu votre commerce. Il va avoir la triangulation qui va augmenter également la puissance des tirs pour toutes les unités de lance-projectiles dans l'armée du héros. C'est une compétence en plus qui se cumule, ce qui est un petit peu ridicule. Il va avoir l'excellent calibrage et balistique, qui est un buff qui donne de la précision et encore du temps de rechargement aux unités qui se trouvent autour. Il va avoir une fusée funeste, qui est un projectile qui peut utiliser une seule fois, mais qui est capable de faire quelques dégâts. Alors, quelques dégâts, c'est relatif, hein. C'est pas une flèche de Curnou, c'est beaucoup moins fort, mais bon, c'est toujours marrant de pouvoir balancer ça sur quelqu'un. Ensuite, il va avoir un excellent instructeur de tir qui va donner plus 10% à toutes les unités sur la carte et unités dans votre armée, évidemment, ainsi que un plus 15% de vitesse pour toutes les unités lance-projectiles de votre armée. Donc ça se combine idéalement avec les équipes d'armes, mais aussi avec les unités qui sont un petit peu plus mobiles, comme celles que vous avez dans l'armée de Snitch, hein, par exemple les coureurs d'égout. Voilà, donc le technomage, ça booste énormément toutes les unités de tir, sans compter qu'il va avoir la capacité poudre supplémentaire qui va donner à 40 mètres de lui un plus 10% de dégâts explosifs de base et plus 10% de dégâts explosifs perforants à toutes les unités qui se trouvent dans le rayon. Alors les dégâts explosifs de base et les dégâts explosifs perforants, ça s'applique surtout aux unités, par exemple comme les tirs de catapulte, les tirs de canon à malfoudre. Ça ne va pas s'appliquer à des unités comme des Jezel qui n'ont pas de dégâts explosifs perforants ou de dégâts explosifs de base. Ce sont des projectiles simples, donc il n'y a pas de dégâts explosifs autour d'eux, malheureusement. Voilà pour la petite explication. Le technomage sera donc plus utile en fait à proximité des unités d'artillerie que des unités d'équipe d'armes, à part quand même l'exception qui confirme la règle, à part les mortiers à globe toxique. Alors ensuite, les technomages, qu'est-ce qu'ils vont avoir de très intéressant? C'est qu'ils ont aussi tout l'arbre de compétences du domaine de la ruine, ou presque. Alors, c'est pas tout à fait des mages accomplis, puisqu'ils ne vont pas avoir les réserves de vent de magie et le conduit arcanique, ce qui est un petit peu dommage, mais peut-être que ça aurait été beaucoup trop fort. Mais en tout cas, ils ont des sorts qui se marient très bien avec leurs compétences. Je ferai une vidéo spéciale sur le domaine de la ruine, donc je ne vais pas en parler plus en avant ici. L'autre très gros avantage du technomage, eh bien, c'est que si vous le mettez sur la carte de campagne, ça va être un des héros les plus indispensables. En effet, sur la carte de campagne, le technomage va apporter la chose suivante, eh bien, tout simplement, quand il va aller sur une colonie ennemie, il va pouvoir étendre l'Empire souterrain. Et l'Empire souterrain, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'y reconsacrerai toute une vidéo entière. C'est vraiment absolument essentiel chez les Skaven pour obtenir de la nourriture, pour avoir une bonne économie, pour planifier ses attaques, pour piquer des choses diverses et variées
aux armées ennemies, voire carrément, eh bien, si vous en avez envie, parfois faire exploser des colonies avec des objets comme par exemple la sphère infernale, faire popper des armées en dessous d'elle. Enfin bon, c'est très versatile, vous avez beaucoup d'utilisations différentes de l'Empire souterrain. Et le technomage, eh bien, c'est ce qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il apporte également? Il peut voler la technologie. Alors ça a l'air anecdotique comme ça, mais les technologies Skaven sont dans l'ensemble relativement puissantes. Et en fait, voler les technologies permet d'aller beaucoup plus vite dans un arbre technologique qui prend énormément de temps à rechercher. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai un arbre complet, mais je suis au tour 242. Je pense que j'ai dû le compléter quelque part aux alentours du tour 210 ou 220. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps d'aller jusqu'au bout de l'arbre technologique. Et enfin, qu'est-ce qu'il va avoir d'autre sur la carte de campagne? Il a la capacité indispensable qui s'appelle bloquer l'armée. Et bloquer l'armée, eh bien, ça permet de rattraper une armée qui vous fuit, ou au contraire de fuir une armée un petit peu trop proche qui serait un petit peu trop dangereuse. Donc voilà pourquoi je dis que le technomage est probablement le héros le plus utile chez les Skaven, avec tous les boosts qu'il apporte. C'est pour ça que j'adore ce héros, que j'en recrute le plus possible dès que je peux en mettre dans une armée. Vous me verrez pratiquement toujours mettre un technomage à chaque fois que je le peux. Voilà, en tout cas quand c'est utile, hein. Si je prends une armée d'esclaves, évidemment le technomage en ce cas-là ne s'impose pas du tout. Enfin parlons un tout petit peu des objets magiques que je vais attribuer à mes technomages. Alors ça varie beaucoup parce qu'on a quand même beaucoup de choix dans ce qu'on peut leur donner. Et on va commencer par l'armure. Alors la chose que je conseille chez le technomage, eh bien, c'est de booster au maximum son armure. En effet, il a des compétences qui sont vraiment très faibles. En particulier au corps à corps où il a une défense de mêlée absolument dégueulasse, et comme c'est très difficile d'augmenter la défense, on va plutôt augmenter son armure au maximum et éviter de le faire aller au corps à corps, hein, sauf si c'est vraiment indispensable, parce qu'il est quand même à peine plus fort qu'un guerrier des clans. Et donc là, je lui ai mis un bouclier en alliage qui est un objet rare qui est unique au clan Scryer, mais évidemment tout ce qui va booster sa défense, son armure, ses résistances, c'est évidemment très très bienvenu chez lui. Ensuite, j'ai mis une lame de corruption. Vous allez me dire, mais attends, c'est n'importe quoi, le technomage, avec les armes de technomage, il a déjà les attaques magiques. Oui, mais en fait, la lame de corruption, elle n'est pas là pour lui donner des attaques magiques, elle est là surtout pour lui donner des attaques empoisonnées. Comme je vous l'ai dit, le technomage est très faible, donc en fait, si je veux qu'il dure un petit peu plus longtemps encore à corps, quand il touche, s'il inflige des dégâts de poison à l'ennemi, et bien l'ennemi va lui faire un tout petit peu moins mal. Donc c'est pour ça que je choisis cette arme-là. Hein, on va pas lui donner des grosses armes bien violentes comme l'épée sanglante, le bras mécanique ou ce genre de choses parce que tout simplement il n'arrivera pas à en faire grand chose. Ensuite, au niveau des talismans, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est personnage fragile, je prends les talismans qui donnent de la résistance ultime, de la résistance physique, etc. Donc c'est ce qu'il a lui aussi. Et au niveau des objets enchantés, j'adore donner l'autre badine du trompeur au technomage. Alors, c'est un objet magique rare bleu. Qui est quand même plutôt facile à obtenir. En général, j'en ai tout un stock et celui-ci va donner moins 10 de vent de magie à l'armée ennemie au départ. Donc ça, ok, moins 10 de vent de magie, mais surtout la capacité, l'autre banine du trompeur qui va agir en constant tout autour du technomage et va donner moins 20% de résistance à la magie autour de lui. Or, je vous rappelle que beaucoup des dégâts des Skaven sont des dégâts magiques et que donc ça va annuler une partie des résistances que pourrait avoir par exemple une armée naine. Les nains ont tous 25% de résistance à la magie de base. Si vous avez l'autre banni d'une trompeur, cette résistance tombe à 5%, donc ça peut être très utile. Je rappelle qu'un moins 20% de résistance n'est pas un plus 20% de vulnérabilité. Hein. Les deux choses sont tout à fait différentes. Vous n'allez pas créer de vulnérabilité sur une unité qui n'a pas de résistance à la magie, mais par contre vous allez diminuer les résistances d'unités qui en ont déjà. Cette vidéo sur les héros Skaven est maintenant terminée. Alors j'espère que je vous ai donné quelques bonnes pistes pour utiliser vos héros en campagne. Je n'ai pas parlé des héros dans la partie multijoueur, ça viendra une autre fois à d'autres occasions. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'être resté jusqu'ici. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à mettre un petit abonnement. On est presque à Noël et si je pouvais avoir les 5000 abonnés, eh bien avant le 24 décembre, je serai vraiment très heureux. Je ne pense pas que ça va se passer, mais on ne sait jamais. Si vous êtes toujours là et que la vidéo ne vous a pas plu, eh bien, merci d'être resté quand même jusqu'ici. Et mettez même un pouce en bas, hein. Ça aidera toujours au référencement de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.